Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait acheté tous les objets de la machine distributrice et donc on avait une quête à eh bien, tout simplement rendre. On va aller voir ça en jeu. Waouh! Je reconnais à peine cet endroit. C'est un pont beige maintenant. C'est encore seulement un hôpital. Et regarde! Je t'ai dit que cette machine distributrice était magique. J'en suis heureux et tout, mais c'est super inquiétant. Quoi? Un distributeur de friandises magiques capable de changer les lois de la physique? Tu trouves pas ça inquiétant? Tu as raison. Qu'est-ce que je disais? Ce n'est pas possible! J'ai seulement besoin de lunettes. Ouais, c'est ça. Je suis aveugle maintenant. Overbrook n'est qu'un hôpital normal, et je vois plus bien. Je le remettrai plus en question plus longtemps. Merci, j'imagine. Et du coup, on a complété cette requête. Il n'y a pas un... Si, il y a une échelle ici. Je sais pas du coup si on va pouvoir retrouver de nouveau Daria dans sa chambre ou si elle est ailleurs. Elle est dans sa chambre. Ok. Donc on peut pas lui parler pour l'instant. Et du coup, on n'a plus que la quête de Buck avec son trésor. Daffodil, il est resté là. Hop, on monte dans le bateau. On va faire un câlin à Lily parce que. C'est toujours agréable, les câlins. Et on va désespérément regarder de nouveau cette carte. Donc la question, est-ce que ce sont deux îles ou une seule île? Je ne sais pas. J'essaye de me souvenir à quoi ça ressemble et de traverser tout le bateau. Je vais finir par changer la configuration du bateau rien que pour pouvoir y aller plus simplement. Et ne pas oublier ce que j'ai vu au moment où j'y vais. Parce que là, pour l'instant, c'est surtout ça le souci, c'est que j'ai zéro mémoire. Que je vois décidément rien qui ressemble. Je dois être complètement bigleuse. Ça me désole, hein, ça me désole complètement. On va quand même tenter, je pense, du côté de Nordveller. Si je trouve que c'est quand même super proche de Lundberg auquel on est allé la dernière fois. C'est vraiment la seule chose qui ressemble vaguement dans mon esprit à ce qui manque. Il me semblait qu'il me restait des graines étranges. Oui, des tonnes de graines étranges à poser dans ce. Jardin, champ. Je sais plus, tiens. Lequel fait quoi? Et Buck qui avait si faim, eh ben, est rentré chez lui.
pour dormir. Puis-je le réveiller? Non, tant pis pour nous. Et ça s'est arrêté. Parce qu'on y est. Parce qu'on y est tout simplement. J'avais pas vu Alex. Alors sans aucune certitude, on va tenter du côté de Nordveller. Ça voudrait dire quelque part par là. Vu comment était foutue la carte. Je sais pas si on peut demander des indices à Buck. On essaiera peut-être si jamais. Parce que... je suis quand même pas bien convaincue. Et je peux pas zoomer donc... on verra bien. Je regarde un peu les bâtiments, ce qu'on a amélioré ou pas. Avec la petite étoile qu'ils ont ou pas sur leur logo. Qui nous en manque pas beaucoup, hein, qu'on n'a pas amélioré. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que le corral à moutons dont on n'a pas l'amélioration. Ici, il y a bien la petite étoile. Ici, il y a bien la petite étoile. La fonderie aussi. T'as pas de petite étoile, toi. On n'a pas amélioré notre moulin. Ok. Potentiellement, on a peut-être des choses intéressantes à trouver. Alors, on va regarder quand même. Est-ce qu'on a le plan pour le moulin ou est-ce que le moulin n'en a pas? Non, plan manquant. Donc c'est bien ça. On n'a pas trouvé le plan du moulin. Et ici... l'impression qu'on n'est pas du tout où il faut puisqu'il se passe rien. Donc on a dit que il y avait cette bosse là de flottaison et notre île ici. C'est vrai que du coup ça ne va pas parce que nous on a une deuxième zone de flottaison en plus. Je suis probablement pas au bon endroit. On a celle-ci. Oui, non, non, ça ressemble. Ça ressemble, mais. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Est-ce que ça pourrait être du côté du sanctuaire qui ressemble un peu? On va essayer. On va prendre le bus par ici, du coup. On va cuisiner un peu peut-être pendant ce temps-là. De la salade verte pour Elena. Il faut un légume feuille et du gras. Alors, un légume feuille.
De la salade. Ce sont des légumes feuilles et du gras. J'ai plus beaucoup de gras, tiens. Pareil le salon, je sais pas si on peut l'améliorer le salon. Pas l'air. On a pas l'air de pouvoir améliorer notre salon. Donc on va tenter par là. La ligne ressemble un peu. Je suis nulle à ce genre de jeu. Si jamais à la fin de cet épisode j'ai pas trouvé, je pense que tant pis, on ira voir le wiki. Même si on n'a pas envie d'aller voir le wiki, je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Et du coup, ça fait quelque part par là. Après, est-ce qu'on a le quadrillage? Non, c'était pas celle-là, c'était l'autre que je voulais. Projeter, 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 document. Donc non, on n'a pas forcément le quadrillage. Ah, mais peut-être que... Ah, si! Et peut-être que du coup, mon quadrillage n'est pas droit. Et que du coup, mon morceau, il faudrait le tourner un peu dans ma tête. Mais qu'en fait, on a le quadrillage... Là. Sauf que peut-être que je suis pas si con-con que ça. Et qu'on aurait trouvé un trésor en s'en sortant. Et en y allant un peu au pifomètre. Du minerai, des bûches de chêne, des souliers, des lueurs. Ça me paraît pas mal tout ça. Si c'était le bon endroit, en tout cas, c'est plaisant. On va aussi lancer des pizzas pour notre amateur de pizza. On va sonner la cloche puisqu'on est le matin. Et attendre de voir si on a trouvé. Voilà. Parler à Buck. Buck, eh bien, nous appelle Captain. Tu me rappelles un jeune pirate qui était moussaillon avec moi. Lui, la vadrouille, ça ne faisait qu'un. Il avait une de ses attitudes. Alors l'autre, capitaine, ben il a échangé contre des barils d'eau de vie. Est-ce que ça en valait la peine? Bien sûr que oui. Je n'ai pas senti mes doigts pendant des jours. Ça me fait penser, il y avait aussi un grand chapeau. Wohoho! T'inquiète, capitaine, on va rester ton bateau. S'il y a de quoi, je serai celui à échanger. Il n'y aurait pas un peu de liqueur, par chance? La prochaine fois, peut-être. Jusqu'au prochain numéro du magazine des pilleurs. Ah oui, par contre, il faut réattendre quelques jours que le magazine des pilleurs il arrive. Je vais peut-être faire des bouts en off, hein, parce que c'est vrai que du coup, ça va pas forcément être palpitant pour tout le monde si on passe notre temps à attendre notre magazine des pilleurs. J'avais pas pensé à ce détail. J'avais pas pensé à ce détail. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup en attendant? Bah, on peut peut-être se dire qu'il y a peut-être des zones où il manque des coffres intéressants. Genre South Point, il nous manque plein de choses. Ouais, on va peut-être se dire ça. Genre on se fait South Point. Peut-être les rives de Flotsam aussi, où il nous manque plein de choses. Sandwich, faut que c'est un mouton qui nous... Oui, c'est un mouton. Enfin, je vais pas dire on s'en fout du mouton, mais... Ouais, j'irais bien à South Point. On est complètement à l'opposé, donc on va reprendre le bus. Et on va aller à South Point.
faut qu'on ouvre notre bouteille. Ici, on a... Bah, du coup, on a les biscuits pour animaux, les bâtonnets de l'espace. Il y a d'autres choses que j'ai pas... Au niveau des poissons, je sais qu'il me manque des choses, mais je sais pas quoi. Faudrait que je retourne voir Suzanne pour voir un peu ce qui me manque. Par rapport au wiki. Mais c'est pas forcément le but du jeu. Il a très faim, on l'a pas nourri, nos pizzas sont où, nos pizzas. Alors, on donne sa salade. Ah, il m'en reste une de pizza. Donc, pas de câlin pour Elena et Buck, ben, on va lui donner la pizza. Il nous a sauf des champignons, c'est parfait, nous, on va lui donner sa pizza. Pourrait manger de la pizza aux tomates toute la journée. Tant mieux. C'est vrai que la pizza, c'est très bon. Donc on a dit, on va au 4 South Point. Le TP le plus proche, ça serait éventuellement celui-là. Peut-être celui-là. Peut-être celui-là. En attendant notre prochain numéro du magazine des pilleurs. Du coup, on va là. On fera sans doute pas les ventes. Ça, je dirais pas que ça en vaut pas la peine, mais... on croule sur les ressources et on a absolument plus rien à construire. Je vais peut-être faire un peu d'huile d'olive si je retrouve où j'ai mis mon concasseur, juste que là. Et ça, j'ai énormément d'olives et très peu d'huile d'olive. Donc on va faire un petit peu d'huile d'olive. On va refaire une deuxième fournée. Parce que bon, à 5 par 5. Ça y est, nos pizzas sont prêtes. On va devoir aller dire que non, on ne veut pas faire les ventes. Non, Atul, je ne veux pas faire les ventes. Je suis désolée, petit esprit d'Atul. Voilà, 3 pizzas, c'est très bien. On va pêcher un petit poisson peut-être en attendant. Il pleut. On aura peut-être un poisson qu'on trouve que quand il pleut. On trouve une bouteille de lueur, c'est pas mal aussi, hein. On va pas s'en plaindre. Après, on a plus besoin de grand chose, hein. On sent doucement qu'on est à la fin du jeu. Puis forcément, il se met à faire beau. Un poisson, c'est quand même très bien. Voilà, donc on va essayer d'attraper les coffres qui nous manquent. Voilà, donc ici... hop... pas forcément besoin de matériaux. Trop court. Parce que j'ai lâché mon dash quand il fallait pas.
quand il était pas chargé. Alors, Mike s'est fait couper les mains hier. C'était dégueulasse, il y avait du rouge partout, c'était si intense. Apparemment, les médecins ont réussi à les rattacher. C'est sauvage, non? La science est si cool, on peut faire n'importe quoi aujourd'hui. C'est le deuxième qui nous parle de Mike qui s'est fait couper les mains. C'est quand même un peu dégueu, mais... Ok, de l'or, clairement pas la chose qu'on avait besoin. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, je pouvais grimper sur la... Ok, est-ce que... Il y a une plateforme ici... Ah, il y a une plateforme ici... Ah oui, je dois pouvoir tout simplement... Et ensuite... Cela a-t-il un intérêt? Ah oui, c'est un intérêt. Donc un peu d'argent, ok. Bon bah si c'était que... Ah non, il y avait une autre plateforme là. Il y avait une autre plateforme. Mauvais côté, Chobiti. Prends un peu de hauteur, hein, histoire de bien voir la plateforme. Donc, on a dit pas là, on a dit là. Voilà. Et on a l'amélioration du coral à mouton. C'est parfait. On pourra peut-être même la faire en fonction des matériaux qui nous manquent. Est-ce qu'on voit d'autres zones qu'on pourrait ne pas avoir faites? Ici, ça permet de sauter là. Ici, on vient d'y aller. Et là, il n'y a plutôt rien, du coup. Ça a l'air pas mal. Ça nous permet de passer un petit peu le temps. On a Francis. On va regarder un petit... Ouais, c'est ça. Il n'y a plus que les minerais qu'on n'a pas minés. C'est plutôt pas mal. Wall Central. Humbertown, ça va. Des bûches. Ici, il manque deux coffres à Flotsam. Sandwich Fall, qui nous manque un mouton. On va voir ce que Francis nous propose. Quelque chose de nouveau. C'est notre jour de chance. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est toujours notre jour de chance avec Francis. On vend nos objets. J'ai pas fait des masses de colle, je vous avouerai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pourrais toujours vendre mes poissons. C'est vrai que du coup, j'ai pas forcément fait en sorte d'en avoir de nouveau. Là, je pense qu'on est pas mal. Je pourrais vendre ça pour avoir du sirop d'érable. J'ai pas forcément besoin d'argent. On va se diriger vers les rives de Flotsam, qui sont du coup peut-être un peu loin pour y aller en naviguant. Mais en même temps, il n'y a pas de TP proche, donc bah, on va y aller quand même. Sans se poser de questions, on va regarder notre amélioration du coral, qu'est-ce qu'il nous faut pour améliorer nos corals, puisqu'on en a plein, nos coraux. Il faut plein de lin. Ok.
Tout ça pour que nos moutons n'aient plus jamais faim. Ah, tiens, on a la cassette. Ma chère Stella, Daria a exprimé son désir de te recevoir ta visite. Salutations, soignant d'Overbrook. Ok, parfait. Parfait, 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 parfait. On va pouvoir aller voir Daria. Il nous faut du fil de lin, tissu de lin. Il nous faut de la fibre de lin. La fibre de lin. Il faut des plants de lin. Il faut qu'on fasse pousser des trucs, tout simplement. Ai-je du lin? Plein de lin. Oui, j'ai plein de lin. On va pouvoir faire pousser plein de lin. On arrose tout ça. Ici, c'est pas encore prêt. C'est vrai que du coup, nos moutons, ils crèvent la dalle, hein, et ils meurent pas. C'est assez exceptionnel. Donc, du coup, on va pouvoir aller voir Daria. C'est cool. Ça va nous permettre de passer un peu le temps d'attendre notre nouveau magazine des pilleurs. Ici c'est bon, il y a une étoile. Ici j'en ai amélioré un, mais j'ai pas amélioré les autres. On pourrait peut-être utiliser nos ressources éventuellement pour faire ça. Je vais regarder combien ça coûte. De la flamboyante. Oui, on pourrait se faire un event avec de la flamboyante. Ça pourrait être l'idée. Là, on va essayer de voir s'il n'y a pas des petits endroits qu'on pourrait trouver. Alors. Ok, donc déjà par là, il y avait un coffre, mais on l'avait déjà pris. Hop, là, il y a un coffre, mais on l'a déjà pris. Ici, voilà, c'est cette zone-là, du coup. On est sur cette zone qui est tout en... souterrain. Ok, là il y a... Ah, si. Des poissons. C'est tellement logique qu'il y ait des poissons à cet endroit-là. Ici, il y a un coffre, mais qu'on a déjà pris. Ici, il n'y a rien, peut-être... haut encore, j'ai l'impression qu'on peut en coller encore plus haut. Ah voilà, un autre coffre avec d'autres poissons. Ok. De quoi miner. Alors, encore un endroit où sauter. Ici, il y a une sortie et il n'y a rien d'autre. Il y a bien un coffre en hauteur. Mais on l'a déjà pris. Donc là,
comme ça, je vois pas grand chose d'autre. On va quand même finir de regarder ce qu'on a dehors. Prends soin de toi. Ok, bah on va prendre soin de nous. Ça a l'air pas mal. On va pouvoir retourner à Overbrook. On va jeter un petit coup d'œil sur la carte. Je pense qu'on est pas mal. C'est ça, voilà. On a trouvé tout ce qui nous manquait, tout ce qu'on savait pas ce que c'était en tout cas. Du coup, on va aller prendre le bus de nouveau et on arrêtera l'épisode là, tout simplement. Continue à planter des graines étranges. On en a des dizaines. Je crois que c'est le terme. J'aurais pu planter de la flamboyante puisque c'est ce qu'il nous faut aussi. Tout à fait, j'aurais pu planter de la flamboyante. Tant pis pour moi. On va du coup voyager jusqu'à Overbrook. Et on se quitte ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!